Les gars, ça fait maintenant plus d'un mois que le projet est lancé. On revient en septembre, on annonçait le projet, on a sorti les deux vidéos de préparation de la moto. Et ensuite, la dernière vidéo en date, c'est celle où on a fait le premier roulage en moto, où on a pu justement tester la bête qui est juste derrière moi. Je voulais faire cette petite vidéo à tête reposée où on parle du projet, on parle également de la moto, on parle aussi de ce qui va se passer en 2024 et également les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à le faire pour justement être à l'affût dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. N'hésitez pas non plus à la liker, ça me donne énormément de force. Et si jamais vous avez des questions à poser qu'on n'a pas abordé dans la vidéo, vous pouvez me les poser, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Je vais commencer cette vidéo en parlant de la naissance de ce projet, comment on en est arrivé à obtenir ce résultat-là, comment on en est venu à acheter ce 450 CRF, comment on en est venu également à le préparer, comment on en est venu à le rouler. Premièrement, la moto, je l'ai achetée en mars 2021. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un CRF 450 de 2020. Et c'est à partir de cette date-là où j'ai pu commencer vraiment à lancer le projet, c'est-à-dire commencer à contacter des marques, etc., pour qu'ils puissent justement m'aider dans cette nouvelle aventure. Vous pouvez voir que ça a pris énormément de temps parce que de mars 2022 à juillet 2023, c'est le moment où j'avais réussi à tout boucler, que ce soit au niveau des marques qui voulaient m'accompagner, également au niveau de toute cette réflexion de projet, comment j'allais amener les vidéos, etc. Enfin, c'était très très long. Et la première vidéo du projet qui est sortie 2 mois après, où j'annonce ce dernier, c'était le début de l'aventure. Je vous épargne les problèmes, etc., que j'ai rencontrés parce que oui, c'était pas tout beau tout rose. J'ai pas fait un claquement de doigts, tac, et puis j'ai trouvé telle marque qui voulait bien m'aider. Non, sinon ça aurait été trop simple. Donc en septembre est sortie la vidéo annonce du projet. On en a ensuite suivi la semaine d'après avec la première préparation de la moto, enfin entretien, préparation, la deuxième vidéo où là on s'est vraiment consacré sur la préparation de la moto. Et ensuite, on en est arrivé au moment où vous avez vu, donc la semaine, pas dernière, mais la semaine d'avant, où on a fait le premier roulage à Hirson. Pour la partie préparation de la moto, c'est vrai que je vous ai dit très grossièrement ce qui allait être fait comme modification, ce qu'il allait y avoir comme modification, mais je ne suis pas vraiment rentré dans le détail et c'était la chose que je voulais faire aujourd'hui. Donc déjà, rien qu'au niveau, on va dire, embrayage, parce que c'était le premier élément qu'on a entre guillemets changé sur la moto. Donc ça a été fait entre guillemets avec Sutter. Donc Sutter, eux m'ont fourni la partie embrayage anti-dribble et le carter d'embrayage, et ils m'ont fait également une gravure taille et masse dans le carter d'embrayage. Donc ça, franchement, je les remercie encore une fois parce que c'est une pièce qui est incroyable. Quand je l'avais reçue, j'étais fou. Je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, c'est une dinguerie, comme on pourrait dire par chez nous. J'étais vraiment trop trop content. Donc ça, c'est la première pièce que j'ai changée. Ensuite, donc à partir de la deuxième vidéo, c'est là où, on va dire, les choses sérieuses ont pu commencer. Je vais pas dire dans l'ordre ce qui a été changé, on va y aller petit bout par petit bout. Donc, faut savoir que toute la partie pièce m'a été, entre guillemets, envoyée par Insane Parts. Donc, Insane Parts qui m'a pas mal aidé sur cette partie-là. Insane Parts que vous pouvez également retrouver actuellement à l'écran avec un code promo SOAP10. Petite erreur, pas SOAP10, c'est IP-6SOAP. Également dans la description de la vidéo avec un lien qui vous sera redirigé vers Insane Parts. Pour ceux qui ne connaissent pas Insane Parts, c'est une société spécialisée dans le super motard et qui du coup vend des pièces pour équiper vos super motards, que ce soit Honda, Yamaha, KTM, Suzuki, etc. Enfin, vous trouverez tout ce que vous voudrez. On va parler premièrement des repose-pieds, donc des repose-pieds spécial super moto. Pourquoi du coup on les a changés? Car en fait, tout simplement, les repose-pieds de base qu'on retrouve sur les crosses ne sont pas entre guillemets homologué pour la piste, car pour la piste il faut une petite plaquette en plastique qui se met sous le repose-pied, qui du coup va protéger notre repose-pied. Ensuite, au niveau des pièces qui ont été changées, moi dans un premier temps, au niveau de l'étrier de frein arrière, j'ai uniquement changé les plaquettes. On a conservé le disque de frein arrière d'origine, donc qui était monté sur la version cross. On a également mis des tambours sur le bras oscillant pour le pneu arrière et également sur le bas de la fourche pour la roue avant, pour protéger bien entendu le pneu et la jante. Ensuite, ce qui a été fait au niveau freinage, parce que oui, on a touché également au frein, parce qu'on va pas laisser le freinage d'origine. On est parti sur un bloc Motomaster avec un disque en 320 mm, une Durite Aviation, avec l'étrier de frein également qui va avec. Donc tout ça est un kit complet de chez Motomaster. Donc à l'avant, on a une jante en 16, et puis à l'arrière, on a monté une jante en 17. Et dans ce jeu de jantes, il y a un kit à l'intérieur qui s'appelle un kit tubeless. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un kit qui va rendre la jante hermétique étanche et qui du coup fera en sorte que on n'ait pas besoin de mettre de chambre à air dans le pneu. En parlant des pneus, j'ai pris des pneus Michelin Power Supermoto, donc des pneus qui sont d'une très bonne qualité, parce que du coup, ayant pu faire quelques roulages avec, j'adore ce type de pneus. Également, au niveau de tout ce qui est chaîne, j'ai mis un guide chaîne qui du coup va empêcher la chaîne simplement vienne frotter le pneu arrière, parce que c'est vrai que le pneu de supermotard étant plus large, il est plus simple de broyer son pneu, donc le guide chaîne qui lui va empêcher justement que la chaîne vienne taper le pneu. Au niveau
la couronne sur la moto, je n'ai rien touché, j'ai laissé celle d'origine. Je vais voir par la suite parce que ça, c'était vraiment pas prévu dans la préparation. Je voulais laisser cette couronne-là pour voir un petit peu mon ressenti, comment ça se comporte. Et pour ceux qui veulent savoir, c'est une couronne en 48. Peut-être que c'est pas adapté pour le super motard, je ne sais pas, je vais voir. De toute façon, c'est pas définitif, hein. On peut faire des modifications, bien entendu. Donc, je vais encore tester quelques sessions pour voir un petit peu comment la moto se comporte également sur d'autres circuits parce que pour l'instant, j'ai roulé que à Hirson, donc un petit circuit. Je n'ai pas encore roulé, par exemple, à Mirecourt ou autre grand circuit. Donc, on va voir comment je vais me sentir avec cette couronne-là sur des circuits beaucoup plus grands. Peut-être que je vais changer, peut-être pas. Après, niveau plastique, niveau esthétique, ce qu'on a fait, j'ai changé les poignées. Je suis passé sur des poignées Domino, donc la marque qu'on retrouve par exemple en MotoGP, enfin sur les motos de course. J'ai également fait installer des protège-mains de chez Acerbis, et puis également tout le kit plastique qui a été changé, vraiment tout. On est passé du coup sur un kit plastique de la marque Polysport, full rouge, donc ça c'était vraiment ce que je voulais, un kit plastique full rouge. J'ai également rajouté des protège-cadres de chez Acerbis et également un protège-bras oscillant. C'est ce qu'il y avait de base sur la moto, ces pièces-là c'est ce qu'il y avait de base sur la moto. Je me suis dit ça donne un petit côté stylé, c'est vrai, sur cette dernière. J'avais démonté du coup les anciens, j'avais regardé comme ça, je me suis dit, c'est vrai que les protège-cadres, c'est pas mal. Pareil également pour les protège-bras oscillants, je les avais achetés et je me suis tâté justement à les remettre lorsqu'on a fait la préparation. Et c'est lorsque Benoît qui a préparé la moto de la concession à Honda à Rouen, d'ailleurs je le remercie encore infiniment parce que sans lui, on n'aurait pas eu ce résultat-là. C'est lorsqu'en fait il a démonté les anciens cache-bras oscillants que je me suis dit, il faut qu'on les remette. Donc on a remis les neufs et puis ensuite on a appliqué du coup le kit déco Kudvec qui a été personnalisé. Donc également aussi un grand merci à Kudvec et puis donc j'ai fait apparaître toutes les marques qui ont pu m'aider dans ce début d'aventure. Speedway, Insane Parts, Kudvec également qu'on a fait apparaître, Sutter aussi, à l'arrière, à l'avant. Puis c'est trop bien. Le rendu est incroyable sur la moto. Je pensais pas avoir un tel rendu sur cette dernière et franchement, je suis trop content du résultat. La suite de l'aventure maintenant, qu'est-ce que ça va être? Maintenant, il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver. Vous doutez bien, plus trop piste, parce qu'on arrive dans une période où ça va être un petit peu compliqué de rouler. Peut-être qu'il y en aura encore une ou deux, mais ce sera le grand maximum. Après, on passera à l'année suivante. Mais en tout cas, il y aura encore d'autres vidéos qui arriveront sur cette fin d'année, sur ce projet de moto. Déjà, les gars, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Parce que... Allez, pépite. Il semblerait bien qu'on ait une petite modification sur ça, ce qui amènerait une petite vidéo aussi. Je vous en dis pas plus, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte et ça va être quelque chose de plus qui va être ajouté sur la moto et ça va la rendre encore plus incroyable. Ensuite, je vous ai parlé d'un nouveau casque qui arriverait courant novembre et ce casque-là, il y aurait aussi une vidéo dessus. Je vous ai dit qu'il arriverait autour de l'ECMA à Milan. C'est vraiment les seules infos que je vous donne, c'est tout. Donc pareil, il y aura une vidéo à propos de ce casque-là qui sera faite. Donc vous pourrez la retrouver sur la chaîne. Et puis également aussi d'autres formats de vidéos sur lesquels je suis en train de réfléchir. Donc vous inquiétez pas, il y aura des vidéos qui seront très intéressantes sur ce fameux projet. Et en 2024, on reprendra bien entendu les roulages. Et très clairement, 2024, vous n'êtes pas prêts. J'ai trop hâte, mais vous n'êtes clairement pas prêt. Le seul petit indice que je peux vous donner sur cette année 2024, c'est qu'on va aller rouler dans un autre pays, lequel vous verrez. Il y aura du teasing sur Instagram, n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram pour être à l'affût. Vous serez bien au courant avant sur Instagram que sur YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre. Donc on va rouler dans un autre pays, il y aura peut-être ou non des pilotes de moto, et tout ça sur plusieurs circuits. Donc je vous l'ai dit, vous n'êtes pas prêts. Après la partie compétition dans le super motard, pour l'instant, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. J'ai pu le voir dans les commentaires de la vidéo premier roulage où on me parlait déjà de trajectoire, on me parlait du positionnement sur la moto. Je suis d'accord les gars, je suis entièrement d'accord avec vous, mais pour l'instant, c'est du pur kiff. Là, les premiers roulages qui vont être faits et que vous allez voir en vidéo, c'est du pur kiff. Parce que franchement, la sensation de préparer un projet pendant un an et de pouvoir ensuite profiter de sa moto, parce que très clairement, ça a été un combat de pouvoir mener à bien ce projet-là et que vous le voyez aujourd'hui sur YouTube, et pouvoir pour la première fois juste rouler, peu importe si on est bien déhanché, peu importe si le haut du corps il est assez bien incliné, si les trajectoires elles sont mal prises, c'était vraiment kiffé. Prendre en main la moto, toute cette histoire de trajectoire, position, on verra ça après. De toute façon, à propos de ces trajectoires, le positionnement, il y aura des choses qui seront mises en place et que vous verrez sur YouTube qui seront incroyables pour vous parce qu'on va essayer de mélanger le monde du super motard au monde du MotoGP. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place et que vous allez voir dès 2024. Et franchement, vous n'allez pas être déçus. Pour ceux également qui ont encore des questions à me poser, je vous invite à me les poser dans l'espace commentaire ou bien même sur Instagram en DM. Je réponds à tout le monde. Donc n'hésitez surtout pas. Moi, en attendant, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines où on aura du coup une nouvelle vidéo sur ce projet super motard sur piste. Sur quoi, je ne vous le dis pas. Mais en tout cas, portez-vous bien. On se dit à mercredi dans 2 semaines. Allez, salut.